Eh bien, le bonjour, Jean. J'espère que tu vas bien. Pour ma part, tout va bien. J'ai la forme, la frite, la pêche, la banane. Voilà. J'espère que c'est de même pour toi. Allez, on se retrouve sur la ferme du vieux, épisode 4, il me semble, sur la map Campaign of France. Voilà. Walou, walou. Alors, comme je disais dans la précédente vidéo, nous allons aller faire quelques courses. On va aller acheter un épandeur à fumier, un épandeur à lisier et un culti pour aller déchaumer le champ de hop là le champ de maïs qu'on a moissonné sur la dernière vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à rejoindre le Discord, le Facebook, la chaîne Twitch, le TikTok, tout ça c'est dans la description sous la vidéo. Voilà, n'hésite pas à faire tout ça c'est totalement gratuit. Voilà, bon allez, on va aller au magasin, on va aller faire quelques achats, on va peut-être pas tout acheter aujourd'hui, on verra bien. On verra les tarifs. Voilà, allez, je monte dans mon John Deere. Dans le John Deere et on est parti pour le magasin. Du coup, avant de faire quoi que ce soit, je vais mettre une masse. Voilà, ça fait une demi-heure que je cherche ma masse et j'ai réussi à la trouver. Enfin! Et pourtant, elle était visible, mais j'ai dû passer au moins 20 fois devant. Et je l'ai toujours pas vue. Et maintenant, je sais où elle est, donc j'y vais direct tant que j'y pense. Voilà. Donc, du coup, dans un premier temps, on va aller chercher un culti. Voilà. On va aller chercher le culti. Hop. Voilà, j'ai une masse parce que comme ça au moins je suis tranquille. Du coup en off, j'ai fini les foins. Ah y est, c'est fait, c'est fini. Je l'ai endainé. Je l'ai rumballé. Et je l'ai amené à la ferme. Donc coût de l'opération, 5 boules. Voilà. C'est pas énorme, je me doutais, hein. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, ouais, entre 5 et 6, ce sera bien. Et du coup, 5. Voilà. Donc maintenant, vous êtes au courant. Il y a eu 5 balles de fête. C'est pas énorme, c'est normal, il n'y a qu'un champ. Il est tout petit. Voilà. Willy Willou! Bon, j'espère que tu vas bien quand même. Hein. Et la dernière vidéo t'a plu, apparemment, oui, ça plaît. L'avant-dernière, très bien, a priori. Pas de soucis. Quasiment les 1K. Je vois que la petite série La ferme du vieux vous plaît. Ça fait plaisir, ça fait zizir. Tant que j'y pense, normalement, théoriquement, à l'heure que je vous parle, la map, la lotoise, elle est testée par Jean-Edouard de la Brouette. Voilà, c'est une chaîne YouTube. Voilà, tu tapes Jean-Edouard de la Brouette, tu devrais trouver. Normalement, il fait des tests dessus. Sur la lotoise. Voilà. Moi je vous ferai une vidéo dessus aussi sur la map la lotoise, c'est-à-dire ma map. J'ai pas fait une blague les gars là. Je vous parle. Ah non, le magasin il est au bout là-bas. Ah oui, je suis passé par autre route. Ouais, ok. Là j'ai cru que j'avais fait une couillardise encore. Mais c'est bon, tout se passe bien. J'ai aperçu le magasin au loin, donc théoriquement je suis sur la bonne route. Il est où ce coup? Bon, en même temps, on visite la map, quoi, on va dire, hein? On va dire ça comme ça. On va arriver par un autre côté, c'est pas grave. Là, théoriquement, j'aurais tourné à droite incessamment sous peu. Ou pas. Non, mais tu peux me dire, j'ai réussi à me perdre quand même. Non, c'est une blague le truc. Non, ça va être à droite là. Voilà, je passe devant l'église. Amen. On a changé un petit peu la route, mais c'est pas grave. Allez, on va au magasin. Voilà, le magasin il se trouve ici. Et hop là. On est parti. Voilà, bon, j'espère que t'as passé un bon week-end. Là, allez, du coup, j'ai dit qu'on allait chercher un cultivateur. Alors un cultivateur, toi c'est trop gros, ça me plaît pas trop. Tac tac, le franquette, j'en suis déjà servi quand même pas mal. Celui-là, bouf, bouf, celui-là. On va voir celui-là. Ah, celui-là est joli celui-là. On va voir si je mets poids, qu'est-ce que ça fait? Track Eradicator. Hein, pourquoi pas?
MF Metal Fac. Ah, il est joli celui-là. Ah, ça me plaît. Ouais, comme ça, après, grâce à ça, je suis pas obligé de. Comme ça, je pourrais semer direct derrière. Ouais, pourquoi pas. Ouais, attends, on va l'essayer, les gars. On va essayer celui-là. Allez, on va l'acheter, on va se faire plaisir. Allez, ça, on l'achète. Ouais, ok. Et du coup, on va aller voir ce qu'il y a en. En épandeur à fumier. Du fumier, du fumier. Parce que l'épandeur à engrais, j'ai envie d'y penser. Pour l'instant, c'est peut-être pas utile de l'acheter maintenant. Mais peut-être que l'épandeur à fumier, c'est peut-être utile. Bon, ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. C'est trop gros, ça, c'est trop gros. Ça, c'est trop gros. Alors, j'hésite entre la De Grandville et la Girax. Girax 155, c'est quoi la différence entre les deux là? Ok, c'est quoi ça? Ah, Black Edition. Ah oui, non. Non, je veux pas de Black Edition. Tac. Ah, celle-là, elle est belle. J'aime bien Girax. Hein. C'est sympa, Girax. En plus, je les voyais au salon de Cournon là-bas. Ah ouais, non, je vais prendre Girax. Allez, hop. Attends. Non, attends, 2 secondes. Les pneus, capacité. On va pas trop, ouais, 15-500, ça me va mieux. Configuration des pneus. Pneus larges. Standard. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Ouais, c'est pas mal, pneus larges, c'est joli ça. Et fais voir si je prends autre chose que du Trelleborg. Nokian, du Michelin. Mitas. De large. Oh bah rester comme ça, tiens, ça me paraît bien ça. Ouais, c'est cool ça. Je reste là-dessus. Allez, ça on l'achète. Voilà, comme ça. Ah si, du coup, ce qu'il faut que j'achète aussi. C'est chargeuse avant. Et oui, parce que j'ai rien pour ramasser le fumier. Et oui, il me faut bien quelque chose pour ramasser le fumier. Godet à gris, ramasseuse de pierre, verticale. Recharge, godet à trémie. Ça, c'est les fourches. Fourche à fumier, voilà. Fourche à fumier. Bah ça c'est pas mal ça. Polyvalente à dents. Fumier monobloc. Je sais pas. Grattoir, non. Je sais pas ça. Ouais, ça a pas l'air mal ça, je sais pas. Tac, faut voir, et l'autre là à côté là. Ouais. Bon, on va essayer ça. Allez, on va l'acheter. On verra ce que ça donne. Voilà. Bon, du coup, j'ai fait un petit peu d'achat. Voilà. Bon, on a dépensé 57 800 balles. Bon, bah, c'est impeccable, ça y est. Du coup, allez, hop. Je vais atteler cet appareil. Voilà. Le déchaumeur. Allez. Moi, je pense que j'ai bien fait de mettre le poids. Je pense. Ouais, je pense que ça a été une bonne idée de mettre le poids quand même. Allez, go! On va aller faire ça. On va aller préparer le terrain qu'on a récolté la dernière fois. Hop. Allez, on va essayer de pas trop se perdre. Alors, un petit tour de l'église. Attends, ça se replie pas ça des fois? Non? Ça se replie pas? Ok. Bon, bah, ça reste comme ça. Par contre, quel côté je suis arrivé tout à l'heure? Là, je crois. Non? Hein? Ah, peut-être faire un tour de map? Ah, c'est bon, il y a la voie ferrée qui est là, impeccable. C'est bon, je suis sur la bonne route. J'ai eu un doute, d'un coup. Ouais, bon.
Nickel. Bon, jusqu'à présent, le train, je l'ai encore jamais vu passer. Hein. Je sais pas s'il existe. Tac. Un petit peu large, 3,20 m. C'est bon. Ah oui, c'est pour le pont là-bas. Donc, il faudra, je pense, à pas revenir par le pont. Enfin, je revienne par ici. Là. Voilà, on traîne pas. Tout ça, c'est fait. On est nickel. Voilà. Et après, si on a le temps, eh bien, on ira curer les vaches. Hop là. Là. Allez, on est parti mon kiki. Voilà, comme ça après je pourrais semer directement, ça serait impeccable. Du coup je pense que je vais peut-être semer de l'herbe hein, parce que de la prairie. Toujours la même question. Que faire? Prairie ou blé ou paille. Du moins avec de la paille. Ouais. Bon, je pense que ça devrait aller assez vite quand même. Moi j'espère. J'espère que je pourrais y passer 3 jours là-dessus. Ah bon. Patience, patience. Mais la patience, c'est pas mon truc. Je suis pas marié avec la patience. Non mais ça va pas mal ça. En plus quand j'ai fait les. Quand j'ai fini d'endainer, il s'est mis à pleuvoir juste après. J'ai eu du bol sur le coup. Enfin de roumbaler je veux dire. Pas d'endainer mais de roumbaler. Ils avaient annoncé la pluie. Bah elle est arrivée hein. Ils se sont pas trompés les gaziers. Donc du coup j'ai eu le temps d'endainer et puis de roumbaler. Et pile poil juste après il est tombé de la flotte. Donc j'ai sauvé les 5 boules. Mais sinon ça aurait été quick, il aurait fallu attendre. Voilà. Impeccable. Du coup, je sais pas si on va avoir le temps de. Ah, comment ça s'appelle? D'aller s'occuper des animaux. Je sais pas si on va avoir le temps, j'espère bien. Pas sûr. Ah. Bon, après, à la limite, là, je peux faire un détourage ou deux. Et je peux aller chercher le tracteur et ramener le matériel. À la ferme en attendant peut-être. Là je vais peut-être y mettre un ouvrier là. Je vais faire un détourage pour pas qu'il aille se gaufrer dans la piscine, enfin dans la rivière ou je te sais où là-bas. Je vais y faire un détourage et puis je vais le laisser faire. Parce que je sens que les ouvriers un peu des fois sur farming, on sait bien comment ça se passe. Ils sont pas toujours bons. Des fois ça coince. Ouais on va faire ça, je vais faire un petit détourage. Pour pas qu'il se gaufre. Après, il faudrait que j'essaye de mettre le système en route là. Je ne me suis jamais servi, des fois ça pourrait peut-être me servir de mettre un ouvrier. Bon, à voir. Que le gars il s'occupe tout seul du champ, que j'ai rien à y faire. À voir, faudrait que j'essaye ça. C'est vrai que je m'en sers bah, jamais. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai dans mes modes ce truc là. Faudrait que je regarde. Ça me permettrait de faire deux choses à la fois, même pour vous, ce serait moins rengaine. Bon, là ça devrait aller vite, deux détourages. Ça devrait passer relativement vite. Comme ça, je vais sauter dans l'autre tracteur, celui-là qui a le bâtifourche. Je crois que c'est le. Je sais pas si c'est le casillage, je crois que c'est le casillage qui a le bâtifourche.
on refait un petit tour. Comme ça, j'y mets le Gus dedans et il mène sa vie. Voilà. Parce que là-bas, j'ai quoi? J'ai les pendeurs à fumier et puis la fourche à fumier. Ça va. Normalement. Ça va bien se passer. Ça, on verra si j'ai le temps. Ça, je peux l'essayer parce que je l'ai pas essayé en fait. Essayer de curer la stabu. Ouais, c'est une chose que je fais très rarement en fait. Ça, je me rends compte un petit peu quand je regarde un peu les rediffusions des vidéos et tout, même de mes lives. C'est vrai qu'en fait, les animaux, c'est un truc que je fais pas très très souvent. Là, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus d'animaux. Je m'occupe des animaux plus, enfin un petit peu plus des animaux, où je reste comme ça, la céréale, les champs, le travail du sol quoi. Ah bah voilà, petite question. Voilà, j'espère vous faire un live cette semaine sur ma ferme. Hop, parce que ce week-end, étant donné que je suis pas là. Là, bah lui, on va le laisser faire. On va voir ce qu'il va cogner. S'il fait du bon boulot, on le rembauchera. S'il fait pas du bon boulot, eh ben, il ira se faire braire. Voilà. Allez. Casse-toi de là. On va voir si... Bon, c'est bon. A priori, il a l'air de vouloir s'en sortir. Le bâtifourche, il est là. Voilà, c'est bien ce qui me semblait quitter dans le casse. Oh. Voilà, hop, on prend l'occasion. Allez, on va au magasin les amis. On est parti. On va aller chercher le matériel. Ah, qu'il y a longtemps que je l'avais pris celui-là. Faudrait que je m'en trouve un autre, voir si... Il n'y a pas un qui serait un peu mou que celui-là, parce que c'est les roues qui me dérangent en fait. Mais depuis le début, je dis que les roues sont larges sur celui-là. A voir, à voir. Allez, direction le magasin. Bon après il est bien celui-là, hein, j'aime bien. 43 km/h, impeccable. Mais non, moi ça me va ce tracteur. Mais c'est vrai que j'aurais voulu trouver des roues un peu moins larges. Et j'avais regardé dans le magasin pour pouvoir changer les roues, mais en fait on peut pas. Enfin, de mémoire. Il a la frite, il va bien. Il est impeccable celui-là. Voilà, un petit peu intérieur, un petit peu ça change. Bon, j'espère que ça va s'atteler parce que l'autre jour j'ai eu un souci, ça voulait pas s'atteler quand j'ai fait sur une de mes parties autre que celle-là. Là. C'est bon, ça s'est attelé. Là. Et vous avez vu? Ah putain, le gars il fait des full camions! Voilà, impeccable. Allez, hop. Allez, on est reparti. Allez, nouveau matériel, on va essayer de ne pas le casser. Voilà, voyez un peu, j'ai écouté vos commentaires.
te fait un vacarme par contre. Par contre, le bruit, moi j'adore. Moi j'aime bien les tracteurs qui font du bruit comme ça. Et là, on a l'impression que ça étire un peu sur la quale. Heureusement qu'il est vide le truc. Là, on va essayer de, de remplir l'épandeur et puis on ira en mettre un peu là où j'ai fait les foins. Là, il est à fond. Il est à fond les ballons. Câbles. Allez. Par là, les pendeurs. Là, quelque part par là, ça va pas être mal. Allez, on va essayer de faire ça, on va essayer de le remplir pour voir. Ah, regarde la barrière. Allez, allons-y gaiement. Et là, il faudra que j'en mette de la paille. J'ai vu qu'il en manquait un peu de paille aux vaches. Alors, comment ça se passe? Bien ou pas bien? Voilà. Il a la tremblote le Girax. J'espère qu'il bug pas ce bassin là. Mais il en tremble. Et il y a un problème le Girax, non les gars? Ah oui d'accord, il est sous terre. Ok, bon bah j'espère que ça va bien se passer. J'espère que je vais pouvoir le rateler. Non, c'est pas gagné encore cette histoire. Faut voir, attends. Ah, pour une fois, je vais m'occuper des animaux. En plus, j'ai pas le. Tac, tac, tac.
vitesse. Je vais pas pouvoir l'avoir. Est-ce qu'avec ça, j'ai. Faut voir, attends. Oh bordel, pour une fois, je fais un truc. Avec les animaux, ça a merdouillé. Alors, est-ce que ça vient de la map, ça, ou est-ce que ça vient du Gyrax? Attends. Là! Attends, bouge pas, tu vas voir! Ah, mais les gars, hein? Quand il y a un problème, on essaye de le résoudre! Voilà! Du coup, j'ai pris l'autre. Voilà! Impeccable! Voilà! Bon, bah, du coup, on va faire ça comme ça. On a échappé à la catastrophe. Bon, peut-être aussi, il a peut-être fallu le laisser atteler, peut-être. Parce que je suis en train de réfléchir, ça se trouve, c'est moi qui ai fait la blague. Non, pourtant, je l'avais chargé devant. Ah, ça a peut-être fait un petit peu trop de poids et ça a peut-être pas supporté. Ah, je sais pas. Bon, bah, c'est pas grave. On a résolu le problème, c'est l'essentiel. Voilà, on a été sauvé. On a mis un petit peu par terre. On va faire avec. Ça, les vaches, elles sont contentes. Ouais, ça change de faire ça. Là, on va comme. Ça se trouve, je vais pouvoir réussir à tout mettre. Hein? Allez! Ah, allez, on va laisser ça tranquille. Là, du coup, on va aller voir l'ouvrier là-bas, voir ce qu'il raconte, s'il s'en sort. Ouais, ouais. Bon, il y a quelques hargneaux, mais bon, on fera bien avec. Hein. Faudra que je le reprenne quand même un petit peu. Voilà. Bon bah très bien les amis. Allez, on se retrouve une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager sur Discord, de rejoindre le Discord, le Facebook et tout ce qui va bien. Moi je te dis à très bientôt. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Allez, sur ce, bye bye, bonne journée les amis. Allez, bye.